Hop là. Raymond. Alors Lupinet, qu'est-ce que ça fait comme impression? Hein? Il fait quoi? Bien? J'aurais dû mettre la GoPro derrière. Ouais. Ouais. Donc, merde, hein. Ben oui, ben d'accord, mais enfin, il faut qu'on rectifie, puis voilà. Hein. Ben oui, mais en attendant, ben la merde, on l'a. Ouais. Okay. Ouais, mais ma foi, on a connu pire. Là, je vais quand même lui dire. À... Ouais, ben, faudra lui envoyer un message. À Siri. Ouais. Bon. Quand même deux ferrages, je trouvais trop long, je trouvais bizarre. Je sais pas si lui s'est occupé de l'angle. Bah, en attendant, j'ai dit bah, ça va nous coûter. Hein? Ouais. On s'est très bien passé, alors on va lui dire, on fait quoi. Bon, ben on verra. Lupinet, j'ai même pas eu le temps de mettre mes gants. Il t'a vu, lui, il dit c'est un ibérique, mais il est pas. Il doit pas être ferré comme un ibérique. Non. Il est qu'à moitié ibérique. Y'a rien là, Lupinet.
tu regardes, hein. Ouais, mais d'accord, mais elle dit dans les vignes, c'est plutôt à droite, hein. Chamoison, c'est là, hein. C'est pas là, hein. Ça c'est l'étron, donc c'est du côté de Chamoison, je pense qu'elle est allée. Ouais. J'aimerais bien avoir le temps de mettre mes gants. Mais... J'ai pas compris, t'as dit maintenant quoi? Faut faire que la digue aller-retour parce que... Ouais. Bon, mais les terrains, ça doit être dur, hein. Je pense pas que ça doit être mou, parce que ça fait quand même un moment qu'il fait zéro la nuit, hein, moins même. Ouais, mais bon, si on s'aventure, il va brouter, il va ouais. Pouvoir... Ouais. Quoi? Cyril avait l'air de dire que c'est pas parce qu'il avait les pieds comme ça que je pouvais pas faire une radio ou je sais pas quoi. Hein? Ouais. Il a dit la même chose là. Ouais.
Ouais. Non, je comprends pas pourquoi il n'a pas toujours fait la même chose. Bah, je sais pas. Ouais, bah, on va lui dire maintenant qu'il nous offre les deux prochains ferrages. Wow. Ouais, je cherche déjà une flaque. Bah, tu vois, c'est peut-être pas aussi dur que on veut bien le penser, hein. Quand tu vois le chemin là, c'est pas tellement gelé. Donc dans les vergers, ça sera la même chose. Tu vas pas comprendre ce qu'on fasse aller-retour. Hein? Pas trop. Mais il est compréhensif. Lui disait tendant fléchisseur, hein. Ouais, mais il y a les suspenseurs qui arrivent sur le fléchisseur. Pour autant qu'on corrige le ferrage. Hein, Loupinet ? Non, justement, mais ça c'est un peu de... Je sais pas, c'est bizarre, ouais, que... Qu'il y ait ce talon qui soit trop... Que l'angle soit pas bon. Regarde, ça fait peut-être un moment que l'angle est trop haut. Tu vois, mais il a dit qu'il allait demander à Stéphane à quel angle ils avaient fini. Non. Et je filme toujours, hein. Ouais, bon. Hein, Loupinet, t'écoutes tout ce que je dis, hein.
comment. Le pauvre, il croit qu'on va les brouter maintenant. Ouais, mais c'est toi qui crois qu'il croit. Ouais. Attends, ouais, tu crois pas que je veux peut-être arrêter un moment de filmer. Parce que c'est long hein, jusqu'au bout. Alors. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrive en bas, il ne faut pas le laisser aller à droite. Il faut aller à gauche. Et puis tout de suite après, descendre à droite. Dans les premières rangées. Une fois, il était même resté au bord de la route. Je ne vois pas où, à droite, descendre à droite. Mais la dernière fois qu'on est descendu là-bas, ou l'avant-dernière, mais je crois la dernière, il n'est pas allé à droite direct. Il est descendu tout droit en restant au bord de la route. Ben il faut faire ça, mais entre... Tu confonds la gauche et la droite. C'est toi qui confonds. Oui, mais toi t'as un souci. Tu te rappelles la dernière fois qu'on est descendu qu'il est allé tout droit en restant au bord de la route. Au carrefour, où il tourne d'habitude à droite, il est allé tout droit. Où on avait croisé ces gens avec l'âne. Ouais. Et puis quand on arrive en bas, il était parti à gauche, ouais. Direction son champ. Ouais. Ben on fait ça, mais au lieu de descendre au bord du chemin, on descend dans la première allée de verger. Où on remonte dès qu'on est en bas. Il y avait à bouger, là. Ben oui, il y avait. Si on fait une ou deux allées là, tranquille, après on peut remonter ici puis revenir par le même chemin. Ouais. Parce que premièrement, il sera moins frustré. Puis deuxièmement, il aura quand même pu brouter une ou deux touffes. Un loupinet, si t'es d'accord. Je lui ai expliqué à ma soeur le coup
du marquage de Yann Elas sur la cuisse, hein, quand il pensait se le garder pour lui. Hein. Puis je pense que c'est un de ceux qui a reçu une explication, hein, de Zagallo. Je dis, c'en est un, Yann Elas, qui aura reçu un ou deux avertissements sans frais. Hein. Comme il est capable d'en donner. Hein, Loupinet? Ouais, ouais. T'es pas le genre à te laisser marcher sur les pieds, hein, Loupinet? Ouais. Non, mais tu vois, on voit bien la largeur du verger là-bas, ça. C'est bien vert, c'est beau vert. Parce que la dernière fois, je me rappelle, on s'était dit, on le laisse choisir, puis il était tout droit. Alors pourquoi il ne pourrait pas refaire ça maintenant? Viens là, mon petit Loupinet, viens voir là, viens voir, viens là. Viens. Tu vois là. Bon, alors, je vais prendre mon mouchoir, m'essuyer le nez, chercher l'entrée de la poche, puis je vais arrêter deux secondes. Hein, Loupinet? Faut que je lui barre la route. Pour essayer de le faire tourner autour. Ouais, ben il peut aussi remonter, hein. Ouais, il peut aussi bien remonter, hein. Il a fait demi-tour. Il a si chaud, hein? Non. Alors il avait l'air quand même cool, c'est.
temps, voilà. Bon, ça serait bien qu'ils changent d'allée, hein. Et... S'ils restent là, ils restent là, ça fait quoi? Ouais, mais ça creuse. Je sais pas jusqu'où mon accu va m'amener là, hein, de ma GoPro. Mais là, il faut absolument qu'il remonte à droite, hein, pour qu'il continue plus loin à gauche, parce que là, premièrement, il n'y a plus d'herbe, et puis on s'éloigne trop du début, hein. Alloupiné, t'as compris? Après ça, on va à droite. Tu fais pas semblant que tu sais pas où est la droite et la gauche, hein. Donc il a compris, puis il veut feinter. Hein, dis? Là, je suis en descente. Oh. Voilà une vieille connaissance. Alors. Tu vois, moi je peux pas. Je peux pas te donner. Je savais. Ouais, t'es un brave petit chien. Ouais, t'es un brave petit chien. Tu remontes. Non. Alors Lopiné, on va à droite, hein. Moi j'ai le torticolis comme ça. Oh non, hein. Non, ça va pas. Hein. Et bien. On peut essayer de remonter jusqu'en haut. Tu vois, il y a moins, hein, là, à brouter.
Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Gauche, droite. Et voilà. Le Seb dit avec sa frite la caméra. Hein? Sa frite. Elle me descend toujours plus bas. Tu es là, t'as vu? Ah, il a rien du tout. Il est passé tout droit. J'ai mis ma caméra qui baisse trop. Voilà. Loupinet, bien? Ouais, ma, bien maintenant. On va rentrer gentiment. Aujourd'hui, c'est déjà bien. Ouais. On est brave. Voilà. Ouais, t'es un brave, t'es chouette. Mieux pas que tu sois un biais.
Oh, Lupin. Yeah. Oh mon Dieu. T'as des fantômes. Un Lupin. C'est pas plus loin quand même. Je sais pas pourquoi il a toujours peur de ces cabanons là, de, là en bas. Ah bon? Oui, mais là je peux pas rester longtemps comme ça. Mais... Là, je peux pas. On est douzis ma fin. Mais il a moins peur quand il passe à côté. Ouais. Hein? Il y a peut-être des trolls qui se cachent dedans. Un Lupin. Et tu vois où est l'éclairage du terrain de foot? Ben, ça veut dire que pour y arriver, on doit faire un joli crochet, hein? Par contre, t'as l'impression que c'est tout droit. Ouais. Depuis le terrain. Ben ouais, puis en réalité, il y a des coudes. Ouais, t'as vu où il boit? Non. Moi, j'ai juste pas vu. Ah, il y a des vitamines. Il n'y a sûrement pas des grenouilles. Parce que quoi? Là, qu'il est venu, puis tu dis, ouais, mais là, c'est normal, ça, 6 semaines, c'est bientôt 7 ou bientôt 8, je sais plus. Ouais. Que ce soit comme ça, ouais. Que ce soit long, c'est pas normal que ce soit long après 6 semaines comme ça. Non. Toi, tu voyais qu'il essayait quand même. Ouais. Tu vois? Ouais. Et puis, D'ailleurs, le veto, il... Il a trouvé dommage un ferrage comme ouais. Ça après ce qu'il a eu. Hein. Et puis il a quand même l'air de pas trop croire qu'il y avait seulement 6 semaines. Ouais. Et pourtant il y avait 6 semaines. Donc il nous a dit
Bon. Bah là, je pourrais lui dire ça, j'ai dit, puis notre ostéo qu'on connaît depuis 30 ans, il a dit pour moi c'est un problème de ferrage. Hein. Donc ça fait deux avis, pas un. Ouais, mais il faut rectifier ça, puis voilà. Hein. Bah oui, bah alors qu'il nous fait une quelque chose, parce que nous on a marre. Ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai la trouille de continuer quand même. Bon. Moi j'ai pas trop envie de rechercher un autre maréchal. Hein. C'est pas le veto depuis Zurich qui va pouvoir nous conseiller un maréchal par là autour. Non, mais en tout cas, j'attends que dire que le merci, il est bien. Ouais. Parce que vraiment, tu vois son site, tu dis d'aller au top, le gars. Ouais. Alors, voilà comme il est propre. Et puis Alain, il me dit, heureusement, encore une fois, tu t'y prends à temps. Ouais. Ouais. Pas bancaire ni gérante de je sais pas quoi. On a un peu plein de cul, hein? Ouais. Bon, je veux. C'est quand même pas fouillable. C'est quand même bizarre qu'ils achètent de l'offre. Attends, moi. Je vais arrêter de filmer deux secondes parce que j'ai une crampe. Parce que c'est assez joli. Tu peux pas faire venir depuis Erard? Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas. Je pense qu'il n'a pas ça, lui, Erard. Il n'a pas de guayacol. Mais t'es sûr qu'il nous en reste? Ouais, il me semble qu'il nous reste une bouteille. Parce que quand je cherchais l'armica, là. Ouais. Il me semble que j'ai eu une bouteille, mais avant qu'on gardait tout ça, on se frayait. Ouais. Mais oui, mais je sais pas si on avait gardé le machin avec lequel on se prayait. Hein. Oui. J'ai failli foutre moi, puis j'ai dit non, je jette pas, on sait jamais, on peut en avoir besoin. Je... Ouais. On aurait dû lui montrer à Alain les bouteilles qu'elle nous a données. Je sais plus comment elle s'appelle. On aurait dû lui montrer ces deux bouteilles qu'elle nous a données, celle de Anxioso. Oh, le terrain de foot, il est tout là-bas. Pas loin. Oh.
sont beaux ces boulots. Oh là là, pas mal celle-là. Oh. Voilà. Ouais. Bon, je vais arrêter nous un moment. Ouais. On l'a pas plus clair que je garde où je mets les roues. Hein? Voilà. Attends, tu vois, je suis trop loin. Parce que je refilme un petit coup là. Tu vois, on se rapproche du terrain de foot, hein? Oh, c'est joli les lumières torrides comme ça. Pas trop bon, hein, Loupinet. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé? Il a pas dit un compliment ni mot. Oh, j'ai pas entendu. Qui fait son chien de chasse. On va faire gaffe le talus. Je vais pas zoomer. Je suis trop mal.
avec les doigts. Ouais, je peux pas t'entendre. Mets-toi plutôt sur la droite. Oh. Tu essaies de rester à gauche, hein? Bonjour. Bonjour. Non, dit, bonne j'ai promenade. Ouais, mais je peux pas. Si je veux l'avoir en entier, je suis obligé de rester derrière. Marcel lui disait, on n'a pas un problème de ferrage. Hein? Oh, il faut pas que je fasse comme un bé. Des gros trous que je vois à peine. Là, on voit plus grand chose.
du souci, petit. Moi, je filme, mais je vois pas grand-chose. Hein. Non, ça serait mieux pas. Qu'est-ce qu'on va rentrer par derrière ou par devant ? J'ai de la peine à visser les trous. On va même plus venir. Hein. Oh. J'ai pas compris. Hein? Ouais, derrière, il y a trop de couillons, monsieur. Ouais. Mais il faudra attendre. Hein? Que je sois en même temps que toi en haut. Viens. Hop. Right.